Bonjour à tous, désolé pour le retard, nous allons commencer dans 2 petites minutes, promis. Donc, je pense que nous pouvons commencer. Oui. Moi, je pense que comme tu veux. Oui, je pense que nous pouvons commencer. Bonjour à tous. Encore une fois, désolé pour le retard. Donc, je pense que sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Donc, cette session qui est dédiée à la communauté francophone a vraiment pour but de mettre en exergue les différentes activités qui se passe sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la gestion logistique ou alors de la surveillance. Donc, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui 4 présentations qui, je le suis sûre, vont être très intéressantes. Donc, rapidement, dans un premier temps, nous allons East, West et Central Africa, qui sont nos principaux partenaires en Afrique francophone, qui vont nous faire une espèce de récapitulatif, de mise à jour sur les réalisations et perspectives des activités en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ensuite, nous allons suivre avec une présentation de Monsieur Mamadou Samake du ministère de la Santé au Mali, qui va nous faire une présentation sur les solutions en termes de système d'information de gestion logistique. Et nous allons terminer. En, non, nous, pardon. Nous aurons une troisième présentation de Monsieur Xavier Kalamba et de Monsieur Bonaventure Fuamba pour RTI International, qui nous donneront une aperçu sur les mises en œuvre. En tout cas, sur les leçons apprises lors de la mise en œuvre de DHIS de Android pour la surveillance épidémiologique en RDC. Et pour finir, nous aurons PSI Mali avec M. Almami Koulibaly, qui est ici avec nous, qui va nous faire une présentation de l'utilisation des données de DHIS2 pour le suivi et l'évaluation des prestataires de santé dans les structures publiques et privées. Désolée, j'ai essayé d'aller très vite parce que je sais qu'on commence très en retard. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais maintenant, je vais donner la parole à Sakibou Alassani, qui va donc nous faire. Mais en fait, il n'y aura pas que Sakibou, il y aura Sakibou, il y aura aussi Patty de HISP RDC qui va aussi nous rejoindre lors de la présentation. Ismaël qui est également là et Jerry qui est en ligne. Voilà. Donc, très éclectique et je suis sûre très intéressant. Merci beaucoup. Merci Alice pour la parole. Et ça, c'est toujours un honneur de pouvoir intervenir à la conférence annuelle. Alors, Sakibou Alassani, directeur de développement système à HISP West Central Africa. Rapidement. Alors, voilà le plan. Nous allons rapidement voir qui nous sommes en tant que HISP West et Central Africa et rapidement un peu, comme on l'a dit Alice, quelles sont nos réalisations. Et là, on pourra un peu faire le focus à travers nos HISP partenaires et quelles sont nos perspectives et une dernière conclusion à la fin. Alors, en gros, HISP West Africa, comme vous pouvez le voir, est le nœud aussi de l'Université d'Oslo qui se charge de l'appui aux pays de la zone en Afrique de l'Ouest et du Centre. Eh bien, il faut aussi noter qu'il y a aussi Haïti qui fait partie de l'appui de HISP pour West et Central Africa. Le siège est à Lomé actuellement et donc peut-être on pourra encore voir comment ça pourra se passer. Mais il faut aussi noter que en ce qui concerne HISP pour West et Central Africa, nous avons aussi quelques HISP partenaires qui sont HISP Côte d'Ivoire, HISP RDC, il y a aussi HISP Gambie qui est là en train d'être mise en place. Il y a aussi HISP Mali aussi qui aura l'honneur de présenter lors de cette conférence. Mais entre-temps aussi, nous sommes en train de mettre en place HISP Cameroun qui va bientôt voir le jour. Et aussi, il faut noter que maintenant, depuis un certain moment, les HISP se sont considérés en ce qu'on appelle les hubs. C'est un peu comme un rassemblement des HISP dont HISP Central Africa couvre est un peu comme le lead de ce qui concerne le HISP West Central Africa, dans lequel nous avons HISP Rwanda, mais aussi HISP Mozambique par rapport aux pays lusophones de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors actuellement, notre équipe s'est un peu agrandie par rapport à l'année passée où nous étions 27. Maintenant, nous sommes 31. Il y a de nouveaux staff qui ont vu le jour.
Il y a des nouveaux staff qui concernent beaucoup plus la sécurité et la gestion des serveurs, parce qu'on s'est dit que la sécurité est très importante de nos jours en ce qui concerne le DSS, mais aussi une équipe par rapport à la communication pour mieux publier ce que nous faisons au niveau de notre structure. Mais voilà, aussi en ce qui concerne les pays, nous étions à 20 pays appuyés par le passé, mais on s'est décidé, on s'est dit, bon, East for Rwanda aussi qui gère un peu le francophone, on a décidé de leur laisser la charge de 4 pays qui sont Burundi et Djibouti et Gabon et la RCA que nous ne gérons plus, mais en nous apportant quand même quelques idées, quelques appuis par moment. Alors, en termes de nos réalisations, depuis l'année passée en cours, nous avons appuyé la campagne de vaccination au rougeole au Congo, Congo-Brazza, bien entendu. Nous avons aussi travaillé sur la surveillance des maladies et des manifestations adverses, c'est-à-dire les effets indésirables pour le compte de la Côte d'Ivoire. Mais aussi, il faut noter que cela aussi a été fait pour le compte aussi du Cameroun que nous n'avons pas notifié ici. Pour le Togo, il y a eu la révision des outils en ce qui concerne le système d'information sanitaire en soi. Et maintenant, pour le Niger, lors de la dernière année, nous avons appuyé leur COVID vaccination et même jusqu'à aller vers la certification, c'est-à-dire lorsque les gens prennent leur vaccin, ils peuvent automatiquement télécharger leur passe COVID. Maintenant, en ce qui concerne le Fonds mondial, nous avons travaillé avec le Bénin et le Mali et même le Togo en ce qui concerne le nettoyage des bases de données. Vous savez que lorsque les gens mettent en place les bases de données après quelques années, il y a des indicateurs ou des métadonnées qui ne sont pas bien faits. Donc, on essaie aussi de venir purger, d'améliorer la qualité de ces métadonnées-là dans leur base. Et maintenant, en ce qui concerne la structure en elle-même, nous avons essayé d'améliorer, plutôt de rédiger le plan stratégique pour les 5 prochaines années. Et nous avons aussi décidé de revoir l'organigramme pour mieux définir toutes les directions et quelles sont les tâches qui leur sont réservées. Et bien entendu, nous continuons ce processus de renforcement de capacités en recrutant plus de personnel au sein de l'Office Centrafricain, mais en ayant plus de positions dans les pays. Ce n'est plus au niveau de Lomé qu'il faut envoyer les gens, mais les gens seront plus basés dans les pays pour pouvoir appuyer les formations compétentes, les ministères. Et bien entendu, nous essayons aussi de rédiger tout ce qui est documentation en termes de sécurité, que ce soit en dehors du DHS, mais de façon institutionnelle aussi, de façon, pour chaque direction, on essaie aussi de mettre en place ces aspects de renforcement de sécurité des systèmes d'information et bien entendu la gestion des risques. Et en ce qui concerne les autres projets, il y a la traduction. Vous savez, il y a beaucoup de documents de DHS qui sont là en anglais, mais on essaie maintenant de se dire, il faut aussi que les gens qui sont dans le domaine francophone puissent bien se servir de ces documents. Et donc, tout cela a eu une traduction et grâce à Alice et à notre équipe de traduction, on essaie quand même d'améliorer cet aspect. Et pour finaliser, il y a l'aspect formation sur lequel on ne déroge pas la règle. Donc, chaque année, il y a les académies que nous organisons de façon régionale, mais aussi, nous essayons de faire un peu comme des focus pays. Donc, vous allez voir, par exemple, le Niger, où il y a une formation purement pays, soit ils viennent à Lomé pour avoir cette formation, ou soit nous essayons d'aller vers eux. Et cela a été fait par rapport à certains pays cibles. Et je pense que je vais laisser la parole à Jerry pour nous parler du projet EMIS, bien entendu. Ah, OK. Donc, Sylvia va intervenir sur ça. OK. Bonjour à tous. Donc, je me présente au nom de Sylvia Gomado. Donc, je vais présenter les projets EMIS qui ont été réalisés par ISPWCR. Donc, au Togo, on a eu l'opportunité de signer le MOU qui nous a favorisé beaucoup de choses. On a essayé de faire aussi l'interopérabilité de StatEduc, donc le système utilisé par le ministère de l'Éducation. En effet, c'est StatEduc. Donc, on a essayé de faire l'interopérabilité entre StatEduc, c'est-à-dire récupérer ces données-là dans le DHIS2 qui a été implémenté, ce qui a permis de faire des sorties. Donc, on a fait des sorties d'analyse, des tableaux, pour permettre une interaction plus effective avec le système.
Ensuite, ce qui est maintenant en cours de réalisation, c'est pouvoir faire une interopérabilité avec la base d'examen au Togo. Et aussi, c'est toujours en cours de pouvoir mettre en place un système de supervision des enseignants et des écoles au Togo. Donc, c'est un truc en perspective qui est en cours avec la direction des inspections, ce qui sera finalisé cette année. Ensuite, en Gambie, on a eu évidemment commencé depuis, ce qui nous a permis de faire une configuration dans le DHIS2 pour permettre de collecter les données annuelles, les annual census, et aussi les données individuelles, donc les données individuelles des enseignants, en effet, et aussi pouvoir faire les attendances, c'est-à-dire les enseignants s'ils sont présents ou s'ils sont absents. Donc, dans ce cadre-là, il faut noter qu'une application, OK, SMS a été développée. Donc, l'USCA a développé une application qui permet de collecter ces données-là et qui sont déversées dans le DHIS2. Donc, on a travaillé aussi sur le tableau de bord illustré de la Gambie et du Togo, en effet. Et ce qui est en vue, c'est-à-dire au cours de réalisation dans le cas de la Gambie, c'est qu'on prévoit faire une application, okay, pour la gestion des écoles dans le DHIS2. Donc, sur le projet EMIS, il faut dire que les grosses réalisations qu'on a essayé de faire, c'est de développer une application, okay, interne dans le DHIS2 qui permet de faire le tableau de bord illustré. Je crois qu'on avait eu une présentation là-dessus. Donc, c'est une application vraiment intéressante qui permet de faire un tableau de bord illustré dans le cadre de l'éducation. Et notez aussi qu'on a eu à faire beaucoup de renforcement de capacités, en effet, des équipes, que ce soit au Togo ou en Gambie, OK, pour le ministère, pour les régions, les districts et autres. Pour ne pas monopoliser la parole, je passe à l'équipe de Mali. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Ismaël Damili, directeur ISPO Mali. J'ai l'opportunité ce soir de vous présenter un peu les réalisations et les perspectives de ISPO Mali. Comme vous le savez, le Mali, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Donc, c'est un démembrement de ISPO au sein de Centrafricain, dont le siège est à Togo. Donc, en 2020, le bureau a été ouvert. Et parmi les principaux réalisations de 2020 à maintenant, il y a eu quand même une collaboration directe parce que nous assistons le ministère pour tout ce qui concerne le renforcement du système d'information sanitaire. Et l'ancrage, c'est bien évidemment le DHIS2. Aussi, l'OMS est l'un des partenaires et un collaborateur qui nous fait confiance. Et nous avons fait beaucoup d'activités avec l'OMS, l'UNICEF, le Gavi, le Fonds mondial, l'ISAID et PSI. Donc, au cours de ces années, quand même, durant peut-être les 3 années, comme on peut le dire, nous avons eu à mettre en place des packages concernant les CBS, et des packages sur la surveillance COVID et puis la vaccination COVID aussi. Nous avons mis en place avec le ministère des certificats électroniques de vaccination, avec code QR qui a permis à tous les Maliens qui voulaient voyager concernant le COVID pour avoir un pass sanitaire et être à l'aise dans les aéroports. Ensuite, nous assurons jusque-là la maintenance et aussi nous faisons la mise à niveau des instances DHIS2. Donc, parmi les autres réalisations de juillet à maintenant, durant peut-être une année, nous avons quand même renforcé la capacité des super administrateurs du pays sur les DHSU, qui est très important, parce que vu la dynamique des DHSU, il faut quand même mettre à niveau les gens pour suivre ce qui se passe au niveau international. Nous avons mis en place aussi, avec l'appui du Fonds mondial, les trackers TB et VIH, et l'USAID nous a sollicité pour appuyer les ministères pour mettre en place un répertoire des applications numériques du CIS et aussi un guide d'interopérabilité que nous avons mis en place. Donc, toujours avec l'USAID, nous avons fait l'interopérabilité entre les DHSU et l'application de gestion logistique MEDEXIS, dont je profite pour introduire le collègue Mamadou Samake du ministère de la Santé qui va venir présenter les résultats durant une année
d'implémentation du MEDEXIS avec l'interopérabilité et le DHSO. Donc, parmi nos défis et perspectives, nous visons quand même un renforcement institutionnel. Vous avez vu les réseaux maires à parler de ça. Nous suivons les rythmes de ISO Togo aussi, qui est le groupe maire. Donc, il y a les renforcements institutionnels. Aussi, avoir des ressources durables, parce que tout qui parle d'activité parle des ressources. Avoir aussi un partenariat solide avec l'IAO et puis les réseaux maires qui est ISOCN Centrafrique. Donc, vu les nombreuses sollicitations, c'est important quand même pour nous de voir les nombres de staff, parce qu'actuellement, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes beaucoup sollicités aussi. Donc, ce sera bien dans les temps qu'on puisse essayer d'augmenter le nombre de staff du bureau. Aussi, avoir une synergie d'action des acteurs d'ici, ça fait partie des défis, et consolider les acquis que nous avons. Donc, pour les perspectives toujours, nous sommes en train de voir avec la Banque mondiale pour la mise en place d'une plateforme One Health concernant la gestion des données de santé environnementale et les données de l'élevage. Donc, je vous souhaite quand même un bon atelier et une bonne conférence. Je passe la parole au collègue Patrick Keto de la RDC pour les points. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Patrick Keto. Je suis le coordonnateur du bureau ISP en RDC. Le bureau est basé à Kinshasa. Le bureau a commencé à exister depuis 2020, vers la fin. On a pratiquement déjà 2 ans et quelques mois. Comme principaux partenaires, nous avons le ministère de la Santé. Nous avons aussi le ministère de Pêche et Élevage à travers son service national d'épidémiosurveillance. Nous avons les Gavi, UNICEF, OMS et CDC. Nos réalisations précédentes, c'est que nous avons déjà réalisé dans les pays avec le ministère de la Santé. Nous avions accompagné le PEV dans son intégration totale dans le DHST, c'est-à-dire en abandonnant l'utilisation du DVD-MT. Et nous avions aussi mis à sa disposition dans le DHST, bien sûr, des données agrégées, ces données historiques datant des 10 ans en arrière, les données sur la surveillance, la logistique ainsi que la routine, la vaccination des routines. Nous avions mis en place le registre des vaccinations contre la COVID et aussi une plateforme de pré-enregistrement, c'est-à-dire pour les personnes qui voulaient d'abord, avant de passer pour se faire vacciner, être préenregistré. On a mis une plateforme qui gérait ce genre de situation et puis jusqu'à la production de certificats de vaccination avec code QR qui permettait à ce que les gens puissent se déplacer. Et nos récentes réalisations dans les pays avec les ministères de la Santé, avec l'appui du Fonds mondial, nous avions mis une sorte de rapport, des rapportages directs entre sur certains indicateurs définis par le Fonds mondial, avec dans des programmes qu'ils appuient, notamment le PNLS, le PNLP et le PNLT, qui, les scripts en question, allaient juste récupérer les données dans l'instance DHSD agrégée et puis l'envoyer directement dans une instance DHSD mise en place par le Fonds mondial. Nous avions récemment ici mis en place un registre de vaccination contre Ebola qui a été récemment utilisé dans une campagne dans 2 antennes de la province du Nord Kivu, notamment Butembo et Goma. Au total, c'était dans les 12 zones de santé. Et c'est ce que les pays vont commencer à utiliser à chaque fois qu'il y aura la vaccination contre Ebola. Avec le ministère des Pêches et Élevage, à travers son service national d'épidémiosurveillance, nous avions mis en place une instance DHSD sur la surveillance des maladies animales ainsi que zoonotiques qui a déjà commencé sa phase pilote dans la province du Congo central et on aura comme défi à pouvoir étendre l'utilisation de cette instance-là à travers tous les pays, c'est-à-dire dans toutes nos 26 provinces. Et comme défi et perspective, nous travaillons actuellement avec CHAI, qui est une ONG, pour la mise en place d'une instance DHSC qui va commencer à gérer les campagnes
dans les projets en question sur la digitalisation des campagnes. Donc, l'instance en question qui sera basée sur le DHST va commencer à gérer les campagnes. Donc, les premières campagnes sont prévues au mois de septembre et octobre. Ce sera pour la rougeole et la fièvre jaune. Et comme perspective toujours, avec l'instance que nous avions mis en place avec le ministère des Pêches et des Vaches, nous travaillons aussi pour l'interopérabilité, c'est-à-dire l'échange d'informations entre les systèmes animaux et puis les systèmes basés sur la santé humaine dans le cadre de One Health. Et aussi, pour terminer, nous continuons le renforcement des capacités de nos agents des ministères sur le DHSD, ministère de la Santé, ministère de Pêche et l'élevage. Et c'est par là que j'aimerais faire ma présentation. Je vous remercie. OK, merci à mes collègues qui viennent de me précéder. Alors, en termes de perspective, de façon globale, HISP-WCA-MER, nous essayons de pouvoir poursuivre nos activités qui concernent Gavi TCA, qui est un peu comme nos activités relatives à la surveillance, mais aussi au programme de vaccination et au système d'information dans les pays. C'est la même chose aussi pour nos activités de Global Fund d'ATCIA et Gavi Global, entre autres la mise en place de la base régionale afro sur laquelle nous sommes en train d'avancer correctement en ce qui concerne toujours la surveillance et la vaccination, mais bien entendu dans lequel nous avons comme projet aussi de pouvoir prendre en compte les données de TB, de VIH, mais aussi de PALU. Et aussi continuer toujours nos projets en cours avec CDC et aussi, entre autres, le projet Manu Riva qui est en train de se dérouler, je pense, en plus au Liberia. Et entre autres, notre appui au renforcement des capacités qui concernent les académies francophones, BHS2, et nos projets liés à l'éducation, comme vous le voyez ici, EMIS, éducation Togo, Gambie, mais bien entendu aussi le Sénégal que nous allons démarrer bientôt. Et entre autres, pour ce qui concerne les aspects nationaux, pour le Togo, il y a le projet One Health sur lequel nous sommes en train de travailler aussi. Il y a la campagne CPS et MILDA qui démarreront normalement en juin, fin juin et début juillet. Il y a aussi les appuis à HISP Mali en ce qui concerne les contrats Global Fund. La même chose pour la Sierra Leone et le Liberia. Donc, pour le Liberia, c'est le registre de vaccination qui sont en train de mettre en place là, donc sur lequel nous allons continuer. Et pour le Niger, au-delà des autres activités qui sont là, il y a aussi le TB Tracker où nous sommes sollicités à apporter notre appui. Et maintenant, pour les autres projets, ou plutôt les nouveaux projets, nous avons en perspective aussi d'appuyer au format des formations universitaires, c'est-à-dire pouvoir donner des cours en ce qui concerne les systèmes de formation en Afrique par rapport à certaines universités qui sont déjà choisies. Et on continue bien entendu l'accompagnement des HISP qui sont en train de voir le jour et se mettre bien en place, comme HISP Mali, DRC et bien entendu aussi le Cameroun. Entre autres, il y aura aussi l'appui aux gouvernances locales, s'orienter beaucoup plus vers la communauté, du genre beaucoup plus la gestion des DHS de niveau communautaire. Cela aussi est l'une de nos perspectives. Et une dernière chose, mieux gérer ou plutôt accueillir davantage les stagiaires qui proviennent des universités au sein de HISP-WCA. Et voilà, sur ce, je vais vous dire merci pour votre attention. Merci beaucoup à l'équipe de l'Histoire Science Centrale Africaine pour cette présentation très intéressante. Je pense que maintenant, la prochaine présentation va être une présentation de Mamadou Samake pour les ministères de la Santé du Mali, qui va nous faire donc une présentation sur la solution de système d'information de gestion logistique qui a été mis en place au Mali. En fait,
Compris. Voilà. Yeah, it's this one, Mali Medexis. Voilà, c'est à toi, Mamadou. Oups, comme ça. Juste en écrit, donc je cherche. Celle-ci. Ok, merci Alice. Bonsoir tout le monde. Moi, je me nomme Mamadou Sité, direction de la pharmacie des médicaments du Mali. Au fait, je voulais présenter une expérience du Mali par rapport à l'intégration de Medexis. Le plan de présentation porte sur l'organisation du système de santé au Mali. Ensuite, on va voir l'approche d'intégration DHS ou Medexis, son processus d'implémentation, succès et défis. Enfin, la conclusion. Son système de santé, par rapport à l'organisation du système de santé au Mali, le Mali est un pays situé en Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 1 248 km². Sa population est estimée en 2023 22 millions d'habitants. L'organisation sanitaire pyramidale, on peut compter 11 régions sanitaires pour 75 districts sanitaires et 3327 formations sanitaires, toutes catégories confondues. Son système de santé porte essentiellement trois objectifs. Améliorer l'état de santé des populations afin qu'elles participent plus activement au développement socio-sanitaire du pays. Étendre la couverture sanitaire tout en rendant les services accessibles à la population et à rendre le système de santé viable et performant. Okay. Les stratégies adoptées sont la participation communautaire à la gestion du système et à la mobilisation des financements, renforcement de l'accessibilité des populations aux médicaments essentiels et autres produits de santé, la rationalisation de la distribution des produits et de leur prescription à travers la mise en œuvre de la réforme du secteur pharmaceutique, enfin la promotion des secteurs privés et communautaires. Au Mali, il y a l'existence d'un schéma directeur d'approvisionnement et distribution des médicaments essentiels depuis 1992-15. Le rôle et responsabilités des acteurs ont été clairement décrits dans ce manuel, mais les difficultés demeuraient quant à l'accès à temps à des données du système d'information et gestion logistique. En 2015, le ministère de la Santé, à travers la direction de la pharmacie des médicaments, avec l'appui technique et financier de l'USAID, a mis en place un outil de suivi de produits de santé dénommé OSP Santé. Et en 2016, DHS2 a été adopté comme plateforme nationale. Puisque c'est les mêmes acteurs qui saisissent les données dans les deux outils, afin d'alléger la charge de travail de ces personnels et éviter la double saisie, en 2017, un lien a été établi entre OSP Santé et DHS2. Cependant, OSP Santé est un outil de suivi des indicateurs et de disponibilité et n'est pas utilisé pour la gestion. D'autres difficultés, il y a l'insuffisance dans les expressions des besoins qui favorisent les ruptures ou des situations de surstock. Maintenant, pour pallier ces insuffisances, une solution ESIC est en cours de mise en œuvre avec l'introduction d'un logiciel de gestion qu'on appelle Medexis, qui s'intègre dans l'environnement de DHS2 OSP Santé. La DPM a bénéficié de l'accompagnement des partenaires comme USAID à travers Kenya Sisiwale, IPSI Mali, Université d'Oslo, pour l'accompagner pour la mise en œuvre de cette solution. Au fait, on a quand même implanté des systèmes dans trois régions du Mali, à savoir Sigasso, Sékou et Mopti. Donc, ces trois régions totalisent 26 districts
pour recherches et informations sanitaires, CESCOM et CCRF. La population de cette zone est de 10 480 000 habitants, à peu près la moitié de la population malienne. Et l'implémentation consiste à une mise en œuvre séquentielle en trois étapes et porte sur les produits de gratuité de certains programmes prioritaires. La première étape, c'est le design d'un schéma d'intégration. Le schéma est basé sur le push-supply model, c'est-à-dire c'est la distribution des produits du niveau CCRF jusqu'au CESCOM, jusqu'au dernier kilomètre. Ensuite, les données sont saisies dans DHS2, puisque c'est la porte d'entrée de toutes nos plateformes. Puis, MEDEXIS synchronise et fait des calculs de réapprovisionnement. Ensuite, les bons de commande seront envoyés aux formations sanitaires via la messagerie interne de DHS2 qu'on a intégrée. Ensuite, les validations et les bordereaux de livraison seront envoyés par MEDEXIS. Donc, les formations sanitaires utilisent DHS2 dans toutes les formations sanitaires et l'accès des réceptions aussi. Par rapport à la configuration de l'interopérabilité entre DHS2 et MEDEXIS, on arrive quand même à faire des ateliers de programmation au niveau central, des ateliers d'orientation au niveau central sur les fonctionnalités du logiciel et configuration de MEDEXIS en arrière-plan. Et on a testé le logiciel aussi dans un district sanitaire à une centaine de kilomètres de Bamako. Après les tests, on a fait l'ajustement de la configuration sur le terrain aussi. Ensuite, troisième étape, c'était la formation. On a élaboré des modules de formation et des guides d'utilisation. Ensuite, on a formé des acteurs du niveau national et régional, les gérants DRC, les chargés de systèmes d'information, les pharmaciens régionaux. Ensuite, après, on a fait des formations sur l'orientation des CESCOM par rapport à la confirmation et l'accusé de réception des colis. Et la mise en place d'un mécanisme de suivi de la dynamique de l'interopérabilité a été une étape clé. Par rapport à ça, le dispositif quand même a permis d'atteindre au bout de 5 mois 71% du taux d'utilisation. Donc, c'était un grand pas pour nous. Et les innovations quand même sont énormes. Les différents documents de transaction sont désormais générés. Ça, c'est un gain de temps pour les gérants d'RC. Et la solution a amélioré également les réapprovisionnements grâce aux calculs automatiques basés sur la consommation moyenne mensuelle et le niveau maximum de stock pour chaque formation. Il y a l'amélioration aussi de la qualité des données, notamment l'exactitude des informations concernant la qualité des données reçues par une formation sanitaire. Par rapport aux défis, il y a la gestion des produits marchands, puisqu'on a commencé avec les produits de gratuité. Il y a le souci aussi par rapport à la mise à l'échelle de la solution dans tous les districts sanitaires et la disponibilité des ressources pour la pérennisation de la solution après le départ du projet. Pour conclure, le Mali a implanté le système jusqu'au niveau CESCOM à moindre coût en utilisant les données déjà existantes dans DHS2. Il y a la bonne collaboration entre les différents acteurs a permis d'atteindre ces résultats et ouvre aussi ainsi la voie à la mise en place d'un e-sigle complet au Mali. Le résultat de l'évaluation pourrait conduire l'extension de l'utilisation du MEDEXIS au niveau national. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mesamake, pour cette présentation très intéressante. Si vous avez des questions pour ceux qui sont en ligne, j'en profite pour m'adresser à ceux qui sont sur Zoom aussi également pour les inclure un petit peu dans la session. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur Zoom et nous nous évertirons d'y répondre.
Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine présentation. Cette fois-ci, elle sera en ligne. Et ce sera M. Kalamba Xavier qui va nous faire une présentation sur les leçons apprises lors de la mise en œuvre de DHS2 Android pour la surveillance épidémiologique des maladies en République du Congo. It is already closed. So, Almami, est-ce possible, désolé, j'allais parler anglais, est-ce possible pour vous de vous d'activer votre micro? Almami? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant nous vous entendons. Un instant, je vais juste activer votre présentation. OK. Celle-ci. Est-ce que tout le monde voit l'écran? C'est bon? Ah, yeah. That's true. I always forget. Voilà. Alors, j'ai partagé l'écran, vous pouvez y aller, vous pouvez juste me dire suivant et je passe à la diapositive. Je pense que tu as partagé la présentation de RTI. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah! Mais c'est M. Kalamba qui est en ligne. Ah, pardon, excusez-moi. Oula, je suis fatiguée. Alors, la vôtre, elle est... C'est l'utilisation des données de DHS2. C'est celle-ci, alors. C'est bien ça? Attendez. Je suis un peu perdue dans les présentations. Peut-être je partage directement mon écran, si tu veux. Oui, je pense que c'est peut-être mieux parce que j'ai l'impression que je n'ai pas la présentation. OK. Peut-être je vais partager mon écran, comme ça on va aller plus vite. Ouais. Non, ce n'est pas grave. Vous allez me dire, vous voyez mon écran? Pas encore. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. OK. D'accord. Donc, j'ai vraiment le plaisir de présenter une approche qu'on a adoptée au Mali sur l'utilisation des données de DHS2 pour suivre et évaluer les prestataires de santé dans les structures privées et publiques afin d'améliorer la qualité de l'offre de services. Je me présente, je suis Almami Koulibaly, responsable du département recherche, suivi et évaluation APC Mali. Donc, comme plan de présentation, je vais faire une introduction et parler un peu des étapes de mise en œuvre de l'outil. Et ensuite, je vais présenter quelques résultats, bien entendu, et ensuite parler des discussions et conclure. Donc, comme certains d'entre vous le savent déjà, DHS2 est vraiment opérationnel dans presque toute l'étendue du territoire du Mali au niveau communautaire. Et aussi, l'utilisation de supports papier, fichiers Excel pour effectuer des supervisions était d'actualité. Et aussi l'insuffisance dans le partage des constats de suivi des recommandations était vraiment difficile à avoir parce que on utilisait les supports papier pour mener les différentes supervisions au niveau terrain. Et avec l'introduction de HNKIS, on a vu que il y a eu beaucoup d'améliorations dans les approches de supervision, notamment la génération des feedbacks depuis le terrain, l'interaction avec les supervisés sur le terrain. Voilà.
Et parlant des étapes de mise en œuvre, d'abord, on a passé à l'adaptation des supports de collecte, c'est-à-dire les copies dures qui étaient disponibles au niveau de nos structures partenaires, et aussi passé à la configuration de l'auto-agent qui s'en question, et procéder au test de fonctionnalité et de conformité. Bien entendu, on a fait ça avec les structures partenaires, à savoir le ministère de la Santé, avec ses démembrements, le PNLP et l'ONASR. Et aussi, on a passé à l'amélioration de l'outil en fonction des résultats du test, c'est-à-dire les recommandations, les feedbacks venant du gouvernement, on a pris ça en compte. Et l'étape de déploiement est venue après, avec une phase pilote de 30 structures. Et aussi, la formation et l'utilisation des utilisateurs finaux, c'est-à-dire les biologistes qui utilisent l'outil au compte de notre projet Impact Malaria. Ok, je pense que nous avons un petit problème. Est-ce que vous nous entendez? Une meilleure allocation des ressources. Ah oui. Ouais. Votre connexion, oui, si vous m'entendez, votre connexion est assez... en tout cas, il y a pas mal de coupures. Ok, maintenant c'est bon. Est-ce possible de reprendre juste vos dernières phrases? Ok. Comme résultat, nous avons... qu'il y a une meilleure allocation des ressources sur la base d'évidence parce que en termes de ressources, nous n'utilisons plus le support papier, le coût de l'impression a été réduit et le focus sur les prestataires qui sont dans les besoins. Avec l'outil, on peut déterminer facilement les prestataires qui sont dans les besoins de renforcement des capacités. Et aussi le feedback immédiat. Ça, c'est l'un des meilleurs points de l'outil parce qu'on peut faire le feedback directement sur place avec le prestataire pour parler des insuffisances qui sont corrigées directement sur le terrain. Aussi, la supervision de qualité à moindre coût parce qu'on ne va pas utiliser beaucoup de charges pour faire la supervision. C'est vraiment l'outil électronique qu'on utilise. Et aussi la reprogrammation prochaine en fonction de la performance et la fréquentation de la structure. C'est-à-dire qu'on peut programmer facilement les prochaines structures à visiter en fonction des résultats de la supervision. Si c'est des structures à superviser chaque 3 mois, chaque 6 mois ou bien chaque mois. Donc l'outil a permis vraiment de faciliter la supervision. Donc, comme quelques résultats au total pour le trimestre 1 2023, on a pu évaluer 374 établissements de santé. 220 prestataires ont été suivis et 80 agents ont été suivis pour corriger les insuffisances dans l'offre de services. Discussion, l'application ne fonctionne pas sous iOS, c'est-à-dire sous Android, sous iPhone, et la version inférieure à 6.0, l'application ne peut pas marcher sur la version Android inférieure à 6.0. Il y a vraiment une nécessité d'avoir une connexion Internet à haut débit pour la synchronisation uniquement, mais l'application elle-même fonctionne à offline. Maintenant, en conclusion, l'introduction du digital dans la supervision a permis d'une part une meilleure allocation des ressources de supervision des prestataires de santé afin de mieux situer les besoins en termes de renforcement des capacités et d'autre part, l'amélioration de la qualité des services de santé dans les structures privées
et public partenaire de PC Mali. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis vraiment disponible. Merci. Merci à vous en tout cas pour cette présentation. Je regarde un petit peu si on a des questions pour nos intervenants. D'accord, non, pas de questions. Par contre, alors, nous avons peut-être besoin de régler un petit problème technique, Simona. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière présentation de la soirée. Et cette fois-ci, ça va être Monsieur Xavier Kalamba qui, tout à l'heure, avait été annoncé, mais en fait, n'a pas pu se connecter en raison d'un problème de micro, visiblement. Donc, on va regarder cela. En tout cas, merci beaucoup, Almami, pour cette présentation. Merci. Et donc, Xavier Kalamba va nous faire une présentation sur les leçons apprises lors de la mise en œuvre de DHS2 Android pour la surveillance épidémiologique des maladies. Et j'espère que cette fois-ci, nous pourrons. Xavier, est-ce possible pour vous de vous exprimer? Ok, laissez-moi. Xavier, est-ce que vous pouvez essayer de... Ok, c'est bon maintenant. C'est bon? Ok, super. Enfin, merci bonjour beaucoup. Bonjour tout le monde et merci. Désolé encore une fois pour ce petit problème. Je crois que ça va, pas de souci. Oui, est-ce que ce serait possible de partager votre écran ainsi que votre présentation? D'accord, je peux partager, il n'y a pas de souci. D'accord, super. Alors, j'allais juste me dire que c'est bon, vous voyez. Vous partagez, ouais. Super. C'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant. D'accord. Ok. You have to put this here. Je peux y aller? Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Alice. Merci à tout le monde. Moi, je suis Xavier Kalamba. Comme le disait Madame Alice, je suis Health Informatic Lead pour RTI International en RDC. Donc, j'ai ici le plaisir de vous présenter les leçons apprises lors de la mise en œuvre de DHS2 Android pour la surveillance épidémiologique en RDC. Déjà, la RDC, c'est ce vaste pays de 2 345 000 km² avec une population qui avoisine les 90 millions d'habitants, dont 70% vivent en milieu rural. Administrativement, la RDC est organisée en 26 provinces. Et ces 26 provinces sont d'office des divisions provinciales de la santé qui, au total, la RDC compte 518 zones de santé. Donc, on voit bien que c'est un pays très large avec des régions très éloignées les uns des autres. Ceci occasionne des défis en termes de systèmes de surveillance épidémiologique. Et parmi les défis, on note notamment les infrastructures des télécommunications qui sont limitées. On parle bien sûr d'un faible taux de pénétration en Internet. Or, comme vous le savez, DHS2 nécessite une connexion Internet pour pouvoir collecter les données. Ceci aussi amène, déjà par le fait que les régions sont éloignées, ça amène les utilisateurs ou les prestataires de santé de parcourir de longues distances pour apporter le rapport des surveillances qui, du reste, est sur papier. Donc, avec un système manuel, ça conduit à une transmission tardive des données. Et même en cas d'épidémie, la riposte n'est pas, rapide. Ça, c'est un peu retardé.
Et le traitement manuel occasionne également des problèmes liés à la qualité et à la fiabilité des données. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et dans ce contexte, avec RTI, sous financement des CDC, nous sommes en train de piloter un projet qui est nommé Global Health Security. C'est un projet pilote pour la surveillance électronique des maladies qui vise une province de la RDC, c'est la province du Haut-Katanga. Et cette province ayant 27 zones de santé, nous les avons organisées en deux poules. Nous avons un groupe de 15 zones de santé qui, eux, saisissent les données à partir de l'application Android DHS2 sur des tablettes Samsung Tab A8 ou A7. Et ces données sont saisies directement par les infirmiers titulaires dans les aires de santé, c'est-à-dire les personnes qui produisent les données de surveillance, c'est eux-mêmes qui les saisissent directement. Et on a 12 autres zones de santé qui, eux, saisissent les données au niveau du bureau central, mais cette fois-là, c'est directement sur DHS2 Web que les données sont saisies. Et dans ce contexte-là, c'est des données qui sont collectées sont principalement les relevés épidémiologiques hebdomadaires qui compilent la situation épidémiologique de toute la semaine, la notification immédiate de cas, puisque la RDC surveille 21 maladies, et parmi les 21, il y a 7 qui sont à notification immédiate. Et pour pouvoir surveiller ces maladies-là qui sont à notification immédiate, nous avons mis en place un tracker qui est nommé notification immédiate des cas, qui, avec deux étapes, permet de collecter les données de tout patient qui présente des symptômes ou qui est suspecté d'un cas de maladie à notification immédiate. Et pour pouvoir saisir, c'est en deux étapes. Donc, c'est l'infirmier titulaire qui notifie le cas. C'est l'étape notification dans les trackers et la confirmation s'est faite au niveau du labo. En plus de cette fiche, nous avons le rapport des événements qui, lui, est aussi utilisé au niveau des aires de santé. Mais là, c'est vraiment même dans la communauté. On a des informateurs additionnels au niveau de la communauté. On a les RECO, les CAC et toutes les personnes de la communauté qui sont mises à contribution. Et là, nous travaillons dans 5 zones de santé pour pouvoir collecter toutes ces données afin de permettre au ministère de la Santé, via sa direction de surveillance épidémiologique, de pouvoir analyser et prendre les décisions en temps réel par rapport à la surveillance épidémiologique des maladies. Les activités menées, en dehors de la dotation matérielle, comme je disais, tantôt on a des tablettes A5, Samsung Tab A5 et A8. Nous avons doté des powerbanks solaires, les ordinateurs fixes, et chaque mois, nous fournissons un forfait Internet à tous les utilisateurs pour pouvoir collecter ces données. Mais aussi, nous avons eu une cascade de formations partant du niveau national, provincial, zone de santé et même les infirmiers titulaires ainsi que leurs adjoints. Mais aussi, nous effectuons des visites de terrain régulièrement pour pouvoir faire ce qu'on appelle des supervisions formatives. Donc, on visite à chaque fois une zone de santé, on travaille avec l'équipe cadre de la zone de santé et on descend dans les aires de santé pour appuyer aussi les infirmiers titulaires selon les données telles qu'elles sont analysées. On visite donc ceux qui ont réellement des problèmes. Mais aussi, nous avons une assistance à distance qui, elle, s'organise plus facilement avec des groupes WhatsApp. On est dans le groupe WhatsApp avec toutes les 27 zones de santé, avec leurs IT. Si jamais il y a des problèmes, c'est là que ça remonte et l'équipe traite. On est vraiment dans une approche de support de proximité. Tout ça a conduit certainement à des résultats. Donc, l'un des premiers résultats que l'on va présenter, c'est en rapport avec la formation. La formation, comme je disais, elle s'est opérée à 3 niveaux. Donc, on a eu une formation au niveau national, que l'on a appelée carrément une formation des formateurs, où on a formé 17 personnes qui, à leur tour, sont descendues au niveau de la province
pour former et les équipes de la DPS, donc la Division provinciale de la santé, les équipes des zones de santé, ainsi que le laboratoire. Après, c'est 470 infirmiers titulaires et leurs adjoints qui ont été formés dans la saisie et de tout ce qu'on vient de présenter. Toujours en termes de résultats, vous pouvez le voir sur ces graphiques. On est parti en octobre, puisque c'est en octobre 2022 que la collecte des données a commencé au Katanga. On est parti d'une complétude de 77,9% en octobre pour une complétude de 96,1% en mai dernier. Et la promptitude, lorsqu'on a commencé en octobre, était à 27,2%. Et en mai dernier, on est passé de 27% à 92,3% des complétudes. Donc ça, c'est quelque chose d'encourageant avec DHS2, Android, pour contourner un peu toutes les difficultés d'Internet en permanence. On a réussi à passer de cette promptitude-là, puisque la promptitude étant un indicateur très important de la surveillance épidémiologique, on a pu améliorer cette promptitude-là en quelques mois. Mais aussi la notification immédiate de cas. Lorsqu'on a commencé, seulement 9,13% des cas de maladies à notification immédiate qui étaient rapportés dans les relevés épidémiologiques hebdomadaires avaient plutôt leur fiche individuelle de notification immédiate de cas. On est donc passé d'octobre à mai à des 9,13 à 41,3% des cas des maladies à notification immédiate qui ont leur fiche individuelle dans les systèmes saisis. Mais aussi, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est bien, mais quelles sont finalement les leçons qu'on a apprises pendant cette phase pilote, qui du reste est encore en cours? C'est qu'avec les visites de supervision, nous avons pu apporter une amélioration de la qualité des données, particulièrement en termes de la promptitude et la complétude, mais aussi les aberrances. Au début, il y avait certaines données aberrantes, mais avec le temps, avec les visites de supervision, cela a pu être amélioré. Mais même aussi la saisie, la notification immédiate de cas, puisque c'est cela l'objectif. Dès qu'il y a un cas, il doit être directement notifié. Ça a vraiment permis d'améliorer cela. Mais aussi, on a constaté que l'utilisation des données est un peu faible, puisqu'il est nécessaire de faire cette transition entre un système qui existait avant avec Epidata vers l'utilisation des DHS2. Donc, l'utilisation des données est encore un peu plus faible sur des DHS2, mais aussi le renforcement des capacités des utilisateurs dans l'analyse des données reste nécessaire, puisque en RDC, depuis 2016, le DHSD est utilisé, mais il est utilisé plus avec les données agrégées. C'est vraiment avec cette phase pilote qu'on est en train d'expérimenter un peu les côtés données individuelles avec DHS2. Du coup, les équipes sur terrain ont vraiment besoin de ces formations en analyse des données individuelles particulièrement. Mais également, les forfaits Internet qui sont alloués chaque mois, seulement 75% sont consommés. Donc, il y a au moins 15% qui n'est toujours pas consommé. Donc, ce qui fait que le coût même de la mise en œuvre du projet peut baisser si jamais on doit ajuster avec la consommation des forfaits Internet. Et pour garantir que les tablettes qui ont été dotées et même les forfaits Internet sont bien consommés, et que les tablettes ne sont pas utilisées avec d'autres applications qu'on sort. Donc, on a installé l'application Focus MDM qui permet de gérer toutes les tablettes et même partager avec les utilisateurs les versions à utiliser pour l'application Android et même les présentations ou les documents des guides d'utilisateurs. Et ces Focus MDM aussi génèrent bien sûr un coût. Ça, c'est aussi un élément. Alors, en guise de conclusion, le projet Global Health Security
a permis d'utiliser DHS2 Android au niveau des aires de santé, ce qui, comme on a vu, a permis d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité rapide des données, mais aussi à alléger la charge du travail des agents de santé pour les traitements manuels. Mais également, les défis restent en termes de durabilité. En termes de durabilité, il y a des défis qui comprennent les coûts d'Internet, la gestion des tablettes, l'utilisation des données, ainsi que le renforcement des capacités des utilisateurs, comme je l'ai disais tantôt. Donc, voilà un peu ce que nous avions à partager en termes de leçons apprises pour la mise en œuvre du DHS2 Android comme système de surveillance épidémiologique en RDC. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François-Xavier. Donc, nous arrivons à la fin de la session. Néanmoins, il y a une petite question à votre intervention, François-Xavier. Si vous pouviez y répondre. Donc, vous avez une question sur Zoom d'un participant qui demande « Est-ce que la correction des aberrances n'entraîne pas la chute de la promptitude dans le cas de la RDC ?» Effectivement, ça, c'est un défi qu'on a à ce jour. Lorsque les gens doivent corriger les données, ils perdent leur promptitude et tout ça. Et c'est un défi que l'on a aussi noté. Merci beaucoup. Bon, mais je pense que cette session touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été présents avec nous. L'enregistrement de la session sera disponible sur YouTube, sur la playlist DHS2 conférence annuelle. Et si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur d'éventuels événements dédiés à la communauté francophone à venir, je vous invite notamment à regarder la page internet des académies de niveau 1, donc dhis2.org, académie niveau 1, académie level 1 en fait. Et là, vous verrez qu'il y a une série d'académies de niveau 1 qui arrivent, notamment à Cotonou. Et j'ai besoin de toi. Il n'y a pas que Cotonou. En juillet, nous avons une académie qui arrive à Cotonou et nous aurons d'autres académies également dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Je vous invite vivement à regarder la page internet des académies DHS2 pour cela. Et également, nous aurons une académie de niveau 2. Nous n'avons pas souvent des académies de niveau 2 destinées à la communauté francophone. Nous en aurons une qui portera sur le CHIS. Donc, les inscriptions seront disponibles bientôt. N'hésitez pas surtout à jeter un coup d'œil de temps en temps sur notre page des académies DHIS2. Voilà. Merci beaucoup, chère communauté francophone, pour cette session. Et ça fait toujours chaud au cœur de vous avoir avec nous. Donc, l'année prochaine, la prochaine conférence annuelle, nous n'hésiterons pas également à programmer une autre. Voilà, merci beaucoup. Je parle beaucoup, donc je m'arrête. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt.